Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, un unboxing assez rapide, on va faire donc deux plongeurs aquatiques. Donc le numéro 4979 de 2008 et le numéro 4596 de 2001. On va commencer par celui de 2001, il est déjà monté. Donc ça, c'est plus un plongeur, donc je vais chercher les crabes. L'autre, ça va être un peu plus chercheur de trésors. Avec son casque, hop, la lampe. Je vais vous montrer de plus près. Avec ses palmes, une bonbonne pour pouvoir respirer. Un masque nautique pour pouvoir respirer également. Hop, il y a un crabe à l'intérieur. Matière dure, c'est pas souple. Donc ça peut être pratique pour le mettre dans la main. Je sais pas si il peut le prendre dans la main ou pas. Non, on ne va pas le faire prendre dans la main, donc ça va servir juste de décor. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a pas autre chose à l'intérieur. Bon, on peut passer directement à celui de 2008. J'espère que ça vous fait plaisir. Un petit unboxing avant l'été. On a pensé à vous. Ah, on retrouve ça, on va voir ce que c'est. Hop. Il y a ça aussi à l'intérieur. Alors, c'est en noir et blanc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, ça vient directement d'Allemagne. Parce que, en fait, sur toute la boîte, c'est écrit en premier en allemand et après donc en français. Donc, certainement une notice allemande, donc peut-être qui est livrée avec là-bas. Hop, on va le mettre ça sur le côté. Je vais vous faire montrer directement ceci. Donc, sur la boîte, j'ai vu qu'ils expliquaient à quoi ça servait. C'est certainement un jeu comme les oies en fait. On doit peut-être suivre un parcours. Voilà, en fait, il montre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc il montre le poster. J'espère que vous voyez bien. On me signale que oui. Donc à l'intérieur, on retrouve ça. Donc c'est très rare de trouver ça donc, chez Playmobil. Donc c'est des pochettes qui s'ouvrent et qui peuvent se refermer. Hop. On a souvent chez Playmobil des pochettes comme celle-ci, où c'est fermé. Un peu dommage. On préfère celles-ci qui sont réutilisables. Alors Playmobil les envoie, mais que quand on achète des pièces à part. Ces pièces-là, on va les garder. Ah, on va pas s'amuser à les ouvrir. On va les garder dans cet état. Hop. À l'intérieur, donc, on retrouve le catalogue de 2008. Je sais pas si vous avez fait une vidéo, peut-être qu'on vous fera une vidéo sur le catalogue de 2008. Je vais le monter en direct. Alors il n'y a pas de notice, mais bon, quand il n'y a pas de notice et que c'est un petit produit, on se sert directement de l'image. Hop. On va pouvoir y mettre les palmes. Voilà. Alors, je sais pas si ça existe différentes tailles de palmes, donc pour petits et grands, ou c'est juste pour les adultes. Je sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le lire en commentaire. Ça nous fera plaisir. Alors, comment on le met celui-ci? Hop, comme ça. Hop, voilà. La bonbonne. Permet de respirer la bonbonne à oxygène. On va la mettre d'abord. Excusez-nous, petite coupure à cause de la batterie de l'appareil. Donc à l'intérieur, on retrouve un dé donc pour pouvoir jouer avec ceci. Donc ce qu'ils ont donné, donc un plan de jeu. Hop, donc on va le mettre sur le côté. Dommage qu'il n'y ait pas écrit Playmobil. Ça aurait été intéressant d'avoir au moins le personnage dessus. On retrouve un coffre. Hop. On peut mettre les pièces à l'intérieur. On va pas pouvoir mettre... Il y a beaucoup de pièces. Tiens, je vais vous faire montrer les pièces. Il y a des grosses pièces, des moyennes et des plus petites. Donc il y en a qui ont des blasons, une couronne et un roi dessus.
Voilà, c'est comme ça qu'on peut les voir. Hop, je vais les mettre ici. À l'intérieur, donc, on trouve un poisson jaune, violet, vert, bleu, rouge et orange. C'est les mêmes poissons. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un hippocampe. Merci ma tête de me l'avoir dit. Un hippocampe doré. Donc, est-ce que c'est une pièce fondue en or? Peut-être que c'est un trésor également. Au niveau du plongeur, c'est exactement le même, donc 2001. Exactement le même. Sauf que celui-ci, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Mais lui, il a une montre. Une montre pour savoir quand il faut descendre. Le même casque, donc le même masque nautique. Les mêmes palmes. Au niveau du harnais, là, c'est exactement le même. Juste la couleur. Après, il me semble que celui-là, le personnage-là, on l'a déjà vu. Sur un jet ski, il me semble. Donc voilà, il y a juste la couleur qui change. Un peu dommage, on aurait voulu avoir peut-être autre chose. Je crois que c'est exactement la même. Ouais, c'est les mêmes palmes. Ouais, c'est dommage. Donc là, on voit vraiment que 2001, c'était plus sur l'aspect on recherche les animaux. Et là, c'est. On recherche un peu les animaux, mais plus les trésors, donc les pièces, le coffre et l'hippocampe doré. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter et à s'abonner. A plus !